Eh bien, salut tout le monde, c'est Faredj. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Dragon Quest 11. Alors, aujourd'hui, nouveau logiciel d'enregistrement. En fait, je pense que les petits grésillements qu'on entend quand je parle proviennent non pas de mon micro, mais du logiciel d'enregistrement que j'utilisais, qui était le logiciel du Elgato. Là, j'ai fait des tests avec un nouveau logiciel et normalement, ça devrait aller. Alors, j'espère que ça ira sur la durée. Mais là, tous les tests que j'ai fait, le son était impeccable. Donc j'espère que ça va aller, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve du coup aujourd'hui pour se rendre, comment ça s'appelait, les bas-fonds d'Héliodore. Parce qu'il faut aller récupérer quelque chose qui était à Eric. Après j'imagine qu'on passera par la Malgrove pour rejoindre le village de Cobalpin. Pour aller voir ce qui s'y passe, sachant qu'on se doute bien que le village a probablement été attaqué, que les gens seront probablement assassinés, voire que... J'irai même plus loin, que le village sera totalement rasé. On verra. Et on va se mettre en jambe avec un petit combat. Allez, attaque l'Ornithox. Même pas mal. Alors, puff. Attention, Katon! Oh, Katon no Jutsu! La protection ne servira à rien, allez, fini avec l'Ornithox. Voilà. Ouais, ouais, c'est la protection que tu veux. Voilà, je t'attaque avec mon épée rouillée. Oui, le coup critique! Le coup critique qui fait plaisir! Allez! Voilà. Et ça donne... Who else wants some? Chaque membre reçoit 28 points d'XP. Bon. 28 points d'XP, autrement dit, c'est ridicule. Donc, on snob les combats. On snob. Bon, je vous remercie pour certains de vos conseils dans les commentaires. Bon, en particulier, vous avez confirmé ce que je soupçonnais déjà, à savoir que quand on est à cheval et qu'on défonce les ennemis, c'est qu'on est déjà over level par rapport au niveau des ennemis, et donc que ça ne sert à rien de faire les combats car ça ne rapporte pas vraiment d'XP. Donc, autant se faire plaisir. Quand on voit qu'on peut défoncer les ennemis, on se fera pas prier. Allez, direction les bas-fonds. Même si je trouve que stratégiquement, pouvoir accéder au bas-fond de la ville comme ça, par le côté, c'est quand même une grosse faille tactique dans la défense de la ville d'Héliodore. Mais bon, à mon avis, je ne suis pas le roi, et j'ai envie de dire, c'est tant mieux que ce soit comme ça, parce que sinon ça aurait été un petit peu la galère pour rentrer, n'est-ce pas? Alors, l'utilisation d'objets importants, ouais, ils sont pas des coups utilisés pour les... Ouais. Ou alors, les bas-fonds, ce sont les douves de la ville, et c'est toute la partie qui est inondée quand il faut défendre la ville. Allez savoir, ça ressemble vachement à ça. Welcome to downtown Heliodore, home to rogues, ruffians, and all my other favorite kinds of people. About a year ago, me and Dirk, my partner in crime, managed to acquire one of the royal family's most precious. They got wise and pulled me in eventually, but not before we'd stashed it somewhere safe so we could pick it up later. Right down there is the biggest, stinkingest garbage pile in all of Heliodore. After all, no one would ever think of looking for it there. We're criminal geniuses, I tell you. Qu'est-ce qui te dit que ton copain t'a pas doublé et a pas pris le truc? To the garbage pile. Parce que vu que tu t'es fait capturer, dans le doute, la logique aurait voulu que justement on déplace l'objet. Des fois qu'il te torture et qu'il te fasse parler, c'est quoi ça? Un hôtel? Non, merci, ça va. Ça va, merci, je ne veux pas me reposer, je veux un peu explorer. Bonjour. Bienvenue dans les bas-fonds d'Héliodore, le petit endroit secret dont les Richards de l'autre côté du mur veulent pas que tu connaisses l'existence. t'es pas du coin toi, hein? Si t'as rien de particulier à faire, je te conseille de pas traîner. Quoi? Tu cherches le dépotoir? Bah si c'est les ordures que tu veux, t'es au bon endroit. Il y a un gros temple au milieu du quartier. Ok. Ça c'est l'église. Bonjour. Ici. On dirait
là. Enfin, j'allais dire là, les gens n'ont pas forcément d'utilité de verrouiller leurs portes vu qu'ils n'ont rien. Mais d'un autre côté, au contraire, le peu qu'ils ont, ils voudraient peut-être le protéger, donc ça devrait être quand même un peu surveillé. Enfin, je sais pas. Je sais pas. En même temps, ouais, c'est vrai que la tapaille. Alors, je rigole si je trouve des équipements plus intéressants là que dans les beaux quartiers de la capitale. Ça, c'est une arme à dommage, j'en veux pas. Poignard de plomb. Parfait, parfait. Oui, je veux l'équiper immédiatement. Voilà. Non, non. Je veux vendre. Je veux vendre du coup mon vieux. Pourquoi j'ai une épée de soldat? Je sais pas ce que je fais avec une épée de soldat. Ah, mais non! Mais! Voilà. Est-ce que je le vends? Parce que de toute façon, si j'ai bien compris, ils sont utilisables que par Eric. Moi, Eric, je le verrais bien plus avec des decks avec un boomerang. Donc, est-ce que je le vends? Ouais, je le vends, allez. Ok. Si, attendez. J'avais de l'or à vendre. Non, il n'y avait pas un truc comme ça, un truc que je devais vendre. Enfin, je sais plus, il n'y avait pas un truc qu'il y avait marqué que je devais le vendre contre l'échange contre de l'or. Je suis pratiquement sûr d'avoir ramassé un truc et dans les détails il y avait marqué que ça c'était à revendre contre de l'argent. J'ai rêvé ou ouais, j'ai peut-être rêvé. Bon, j'ai peut-être rêvé. Ou alors je l'ai déjà revendu, je me rappelle. Bon, c'est pas très grave dans tous les cas. Là. Bon bref, je sais plus ce que j'allais dire. Niveau supérieur. Allez. Tic, 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 tic. Tout va bien. Encore ce petit esprit là. Qu'est-ce que tu es toi? Graine d'agilité. Objet, sac d'objet, graine d'agilité, utilité. Un petit peu sur moi. Je peux attaquer un peu plus rapidement, ça me déplairait pas. Bon, j'imagine que ces petits esprits, on pourra leur parler peut-être plus tard, ou alors ils sont là juste là pour indiquer des coffres, je ne sais pas. Je dirais même, je ne veux pas savoir. Bah, je veux le découvrir par moi-même. Toi tu vends des utilitaires, ça ne m'intéresse pas. Et là-haut, qu'avons-nous? Pas être bourré quand même hein, pour rentrer chez soi ici. Un panneau. Utilisez les planches situées à gauche à vos risques et périls, restez près du mur. Alors, vu l'orthographe du panneau, d'après vous, c'est un gamin qui a écrit, c'est juste quelqu'un des bas-fonds qui malheureusement n'est pas forcément très. Très instruit, on va dire. Ah, regardez, là, il y a un accès à l'intérieur du mur. Est-ce que c'est un accès secret qui permet de rentrer dans Héliodore? Ah, comment je me suis retrouvé ici? Comment je suis arrivé là? Comment je vais m'en sortir? Hein? T'es qui, toi? Tu cherches quelque chose? Si c'est pas le cas, tu ferais bien de dégarpir. J'ai déjà assez à faire sans que tu viennes me casser les pieds. À part te plaindre, t'as pas fait grand-chose, hein. Alors, un morceau de silex et rien du tout. Bon.
Ouais, moi je vois bien un passage secret qui servira plus tard. On verra. Oh, un coffre là. Vous avez quoi? Tac. Descendre. Et j'ai une Guinée drasilienne. Voilà, c'est... Ah bah si, c'était ça. Mais je l'avais vendu. J'avais une pièce comme ça, je l'avais vendu. C'est ça. Ok, très bien. Mesdames, bien bonjour. Passez une bonne journée. Messieurs, bien bonjour. Buvez bien. Et le tas d'ordures. J'allais vous cacher là-dedans. C'est tout. This is the spot. Keep a lookout, okay? I'm going up. Now, it was around here somewhere. It's definitely here. I'm 1000% sure. It's not him. You gotta be kidding me. Me and Dirk were the only ones who knew where it was. Wait a minute. That rat! He must have done the dirty on me and taken it for himself. Damn it! I should have known! A thieving little... Wait! I'm gonna find him. And you... C'est pas que j'ai okay. Des trucs à faire, mais quand même, the quoi. The inn we used to crash at is just over there. Come on, it's the only one with an upstairs. Oui, d'accord, mais il y a mon village qui potentiellement est en train d'être attaqué. Mon ami d'enfance qui était ma future promise avec qui je vais marier qui est en train de se faire égorger et violer sur la place publique. Non, d'accord. D'accord. Alors, une armurerie. Allez. Je ne trouverai pas d'armure plus compétitive, je te prends au mot, on verra. D'abord, ma Guinée drasilienne. 500 PO, ah bah ouais, clairement. Alors, voyons, qu'est-ce que tu peux me proposer? Un bouclier de cuir, un casque de cuir, et l'armure de cuir. Alors, on va déjà acheter l'armure de cuir pour Eric, parce que, mine de rien, il prend pas mal de dégâts et il a pas les talismans pour le régène. Voilà. Alors, le casque de cuir, oui. Pour moi. Non, je voulais pas le ranger dans le sac, je voulais l'équiper. Le bouclier de cuir aussi. Voilà, parfait. Du coup, je vais revendre mon couvercle de tonneau. Pas que ça sert à rien, mais un peu quoi. Ok, on est pas mal, j'ai toujours mes trucs. Très bien. Alors, le seul bâtiment avec un étage là-bas. Oh, madame Irma, vous visez l'avenir? Bienvenue au royaume mystérieux de la merveilleuse maîtresse Béa. Pas besoin de me forcer la main pour que je lise la tienne. Alors ça te dit? Allez, vas-y. Je savais que t'allais dire ça. Bon, je me lance. Dis-moi, grand et mystérieux maître du destin, que réserve l'avenir à ce garçon aux cheveux sibyllins? Oh là là! Oh là 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 là! Je vois de la souffrance et de la tristesse, beaucoup de chagrin et au moins autant de malheur. Mais ne désespère pas, tu peux éviter tout ça juste en faisant un investissement judicieux. Normalement, cet objet hors du commun te coûterait les yeux de la tête, mais je te l'offre au prix dérisoire de 100 pièces d'or. Bon, vous me sentez comme moi, c'est de l'arnaque, mais allez, on va faire le naïf. Alors. Vendu au garçon à la chevelure folle, voilà pour toi, mon canard, profite-en bien. Des fioles d'eau sacrée. Ah, remarque. Si tu répands ça autour de toi, les bestioles se tiendront à distance pendant un moment. Plus de soucis avec les monstres, mon canard. Tu avais la même chose dans le coin de la rue pour moitié moins cher, ben oui, oui, c'est ça. Bon, allez, c'est pas grave. Je m'en doutais. Là, il fait nuit. Alors, bonjour. This old place hasn't changed a bit. Back in our thieving days, Dirk and me used to lay low here whenever things got hairy. Ruby? Ruby, you there? It's me, Eric. There's something I need to ask you. Ruby runs the place.
Looks like she's not around, but if anyone knows where Dirk is, it's her. Which means we'll have to go find her. So here's the plan. It's a tower they use to look out for fires. You're going to climb up there. Oui, mais je sais pas à quoi elle ressemble, Garance, donc moi je veux bien aller la guetter, I'll check a couple of other spots. Don't worry, you can't miss her. La salle rouge de la vie. Ok. C'est vrai que j'ai pas du tout des trucs plus importants à faire. Je me suis pas compliqué la vie, c'est pas vrai. Bon, comme je dois rester discret, je vais me mettre là où tout le monde peut me voir. Logique de jeu vidéo. Get out of here. Go on. Pauvre mamie. Ça c'est évident. Doggy, stay. D'accord. C'est une stratégie. Tu voulais passer par là, je suis désolé, mais c'est pas possible pour le moment. Quelqu'un a encore piqué la moitié des planches, ça finira par être réparé, mais ça risque de prendre un peu de temps. Ok. Oh, je peux pas sauter là. Alors. Can't find Ruby anywhere. How about you? Any luck? You saw her heading back to the inn? Great! Let's head over there. Allez, allons-y. Isn't my favorite landlady. Welcome to our humble. Strike a light! If it ain't me favorite little tea leaf! Look, hang about. You've gone and escaped, ain't ya? You and your friend here are the fugitives everyone's talking about. Well, I know not to stick me big nose in where it ain't wanted. You always did like to sail close to the wind. Don't worry, I won't be here long. I just need to know where Dirk is. Have you seen him? Dirk, eh? Now there's a name I ain't heard in a while. Didn't he open some fancy shop up by the castle? Yeah, that was it. Raking in the cash is. That can't be right. The rent up there is crazy. Where would he find the money? Mais en vendant le joyau, peut-être. Wait a second. He sold it, didn't he? The rat sold the damned orb. Look, in this part of town, you don't go asking too many questions. You know that. If you want more, you'll have to get it from the horse's mouth. You're right. Thanks, Ruby. I appreciate it. We'll get out of your hair. That no good traitor! I'll bet he sold me out and sold the orb. And all so he could move up in the world. Well, I'll get what I'm owed. You'll see. But we'll need
need to get past that sentry if we're gonna head uptown and find him. Wait, isn't he... Yeah. I remember hearing that one of the guards is terrified of dogs. Allez, on va aller chercher le chien. Il n'y avait pas une petite fillette avec un chien là dans le coin? Ah voilà. Hé, gamine! Eh, hey, bien joué, Médor! Ce fronceur de garde a failli se faire dessus en te voyant. Qu'est-ce que tu regardes comme ça, hein? Dégage! Quoi? Tu veux m'emprunter mon chien? Tu te fiches de moi ou quoi? Écoute, j'ai pas le temps de perdre avec ça. Dégage, tu veux? Médor est un solitaire, comme moi. Il aime pas beaucoup les étrangers. Ah, mais tu sais quoi? Un peu d'eau sacrée et une ou deux pines amboises pourraient bien me faire changer d'avis. Pourquoi tu restes planté là comme un ahuri? C'est la mer à boire? Bon, alors l'eau sacrée, je l'ai. Va tout droit en suivant les... Non, mais c'est bon, je les ai. Il y a un gros arbre avec des fruits, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. C'est bon, j'ai ce qu'il faut. J'ai pas dit de l'eau sacrée ou des pines amboises. Oui, d'accord, j'ai ce qu'il faut. Ça va, j'aimerais apprendre de l'eau sacrée et une ou deux pines amboises. Mais... Oui, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Voyons voir. Oui, ça ressemble à ce que j'ai demandé. Ben, ça alors, tu me les as vraiment apportés, gros naïf. Tiens, Médor, c'est ce que tu préfères, des pimes en bois. On les partage, d'accord? Ouf! Hé hé, c'est bon, hein? Allez, je t'asperge d'eau sacrée, t'es prêt? Voilà! Maintenant, les monstres viendront plus t'embêter quand tu iras jouer en dehors de la ville, c'est chouette! Ouf! Ouf! Quoi, me regarde pas comme ça! Médor veille sur moi et moi je veille sur lui! Enfin, une promesse est une promesse. Je te laisse pendant un moment. Tu t'en occupes bien, hein, compris? Médor, écoute-moi, mon chien. Va jouer avec le gentil monsieur pendant un moment, d'accord? Ok. Allez, viens. Non, non, non. C'est un chien. Halt! This gate leads to the nice part of town. No, no, not a dog, anything but that! Worked like a charm. Now to head up to where all the rich folks live and find out what the heck dirt... Alors c'est parti. Parler là-haut. C'est une quête, vous croyez, ou c'est... Il y en a qu'un en plus. Bon, on va aller lui parler. Je sais pas si c'est une quête ou juste des infos, mais... Voilà. Derrière la maison, alors. Qu'y a-t-il? Pardon, tu cherches une boutique tenue par un homme du nom de Derek. Ah, j'ai comme l'impression qu'une personne de ce nom l'a mis là-bas, dans le manoir près du château. Tu te diriges vers cette partie de la ville, écoute-moi. Emprunte la corde qui se trouve sur le toit de cette maison, tu seras bien plus rapidement. Ok. Tu ne devras pas sauter. Tu devras sauter pour y arriver jusque là-haut. C'est pas... Oui, d'accord. Je sais sauter, t'inquiète pas. Hop, alors emprunte la corde. Déjà, je vérifie qu'il n'y a rien. Allez. J'ai été équilibriste dans une autre vie. Et là, sur le toit de l'église, rien. Pas un petit trésor, un petit coffre, rien, non? Bon. Dans ce cas, paf. Et voilà. Alors, le manoir. Lequel de manoir? Là, ça ressemble à une boutique, ça doit être là. Wow, nice place you got here. Welcome, welcome. Feel free to browse. You'll find we only stock the very finest wit. That's good.
because I'm looking for something very special indeed. Happen to have any orbs in Eric! Long time no see, old pal. Eric! My brother! My compadre! My partner in crime! It's really you! Larger than life and... You have no shame, huh? Get your backstabbing hands up! You always were full of it, Dirk. But this really takes the cake. Admit it. You sold me out and sold the orb so you could buy this place, didn't you? I'll never! I promise you, I never sold you out! I was worried sick about you. I only opened this place to try and help. Oh, yeah. And how does that work, exactly? How does you opening this place and lining your pockets while I rot in jail help? Look, I was never much of a thief, you know that. But it turns out I know how to sell stuff. I got a gift, even if I... When you got nabbed, I spent months racking my brains for ways of busting you out. I couldn't stand the thought of you being in there. In the end, I realized I'd have to give up the orb. I took it to the king, told him I found it somewhere, and pocketed the reward. Then I used the cash to open up the shop here and poured all my profits into bribing the guards up at the castle so they'd let you escape. Now that you mention it, I did think it was weird they never tossed my cell the whole time I was digging that hole. Exactly. I was paying them to turn a blind eye, weren't I? Okay. I'm sorry. I'm sorry I doubted you, partner. That's the spirit. Eric, old pal, it's so good to have you back. But I need that orb. And now we don't even know where it is. Oh, yes, we do. Right this way, gentlemen. Ok. Attendez-moi, je fouille un peu. Si vous sentez qu'il y a quelque chose à fouiller. Non. Non. Ah, là-bas peut-être. Non, pardon. Ok, bon, alors on va fouiller. Alors, elle est où l'orbe? So, where is it? After I handed over the orb, I made sure to keep my ears to the ground about where it ended up. I knew it was important to you, see? Well, a little bird tells me that Endrick and his men took it to the King's Barrow, and it's been under lock. The King's Barrow, huh? Mm-hmm. That's southeast of town. Same direction as Cobblestone. Which means we can kill two birds with one stone. Coming, Dirk? Sorry, no can do. I've got a shop to run. I'm a married man these days. Married? Wow, you really have changed. Well, you always said you wanted to settle down and maybe go into business someday. I'm happy for you. We'd better get going. Take care, Dirk. And thanks for everything. You too, old pal. Be lucky, eh? And don't you two go doing anything I wouldn't do. The south gate is crawling with guards. We won't be walking out that way. And Hendrick's men are too uptight to take bribes. Guess we'll have to go the long way round. If we skirt round the hills to the south, we should be able to approach the King Sparrow from the other. We can drop into Cobblestone on the way.
Okay, let's head back downtown. Watch yourselves out there, eh? They don't call that forest round there the Mangle Grove for nothing. There's plenty going there and never... It'll take more than a few kids' stories to scare us off. Besides, it's the... Très bien, alors le soleil va se lever, et attendez, comme il a un voyant rose, je suis en train de me demander, est-ce que, il aurait pas une quête? Non. Ça m'avait emporté cet orbe, oui, ça d'accord, j'arrive plus. Bon, ça on s'en fout. D'accord, bon, ben alors allons à la sortie de la ville pour commencer. Et puis écoutez, je vous propose de s'arrêter là. Moi j'avancerai tout seul pour qu'on se retrouve à l'entrée de la Malgrove dans le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu et puis on se retrouve dans l'espace commentaire pour discuter de tout ça. Allez, sur ce, salut tout le monde !